de tir à la corde. Le jeu est très simple, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Des fois, vous avez des équipes, 5-6 personnes de chaque côté. Mais en fait, le but, c'est de tirer le maximum. On délimite au milieu et le but, c'est de tirer au maximum l'équipe de son côté. Et celui qui a réussi à tirer toute l'équipe adverse de son côté, c'est celui qui a gagné. Là, tous les jours, on a un tir à la corde avec un monstre en face, grand, hideux, qui fait peur, qui est fort, et au milieu, il y a un gros précipice. On a l'impression que c'est un puits sans fond, c'est un gouffre. Et au fait, ce qui se passe, c'est que tous les jours, on tente de gagner ce monstre. On tire, on tire, on tire, mais en fait, pendant qu'on tire, on se rend compte qu'il est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus puissant. Et l'angoisse grandit de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'on se voit approcher du précipice, on se voit approcher du précipice jusqu'au moment où des fois, qu'est-ce qui se passe ? On risque de tomber. Et des fois, on tombe. Et quand on tombe dans ce précipice, on a du mal à sortir, on a du mal à se relever, on a du mal à trouver de l'aide. Et généralement, c'est la descente aux enfers. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que le but n'est pas de gagner le monstre et de tirer au maximum la corde de son côté. Le but, c'est juste lâcher la corde. Et on a du mal à le faire. Et ça, c'est des situations de vie de tous les jours. Combien de fois, à mon cabinet, je ne vois pas des gens qui viennent vraiment lutter, nager à contre-courant, contre la nature, contre le système, contre les parents, contre l'époux, contre les enfants. Et la seule chose des fois à faire, la plus bénéfique, la plus salvatrice, c'est juste de lâcher. Pourquoi ? Parce que dans la vie, comprenez le bien, d'accord ? Il y a des choses que vous allez pouvoir changer. Fine, changez-les. Il y a des choses que quoi qu'il arrive, vous ne pourrez jamais changer. La seule chose à faire, c'est de les accepter en lâchant prise. Et plus vous allez réellement vous tuer à la tâche à essayer de tirer le monstre vers vous, je peux vous garantir, il est toujours plus fort. Il finira par vous mettre dans le précipice. La nature sera toujours plus forte que vous. Vous ne pouvez pas nager à contre-courant et dans un fleuve et gagner la nature. C'est pareil pour la vie. Vous ne pouvez pas gagner la vie. La seule chose, c'est de faire des compromis avec elle, accepter qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas changer et changer ce que vous pouvez changer. Et demander à Dieu de vous aider dans ce process, de pouvoir voir les choses venir et de pouvoir faire la différence. Parce que le pire, c'est de vous avez les choses qui vous arrivent, elles viennent, mais vous ne faites pas la différence entre qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je dois accepter, quelles sont les choses sur lesquelles je dois lâcher prise. Lâcher prise est salvateur, l'acceptation est libératrice. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Apprenez à discerner la différence entre les deux. C'était Nahid Rached pour notre capsule de 3 minutes pour changer de vie. Notre rendez-vous hebdomadaire, tous les mardis, vous le savez, je me retrouve avec un beau challenge que je me suis lancé. C'est vous aider à changer de perception et vous convaincre que le changement peut être rapide, peut être immédiat et peut surtout durer longtemps. Hadahoua et lahfadkoum.